Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction au trailer de Black Widow qui est sorti hier. Donc c'est le trailer final, c'est la bande-annonce officielle avant que le film sorte dans les salles de cinéma. Là en plus il s'agit d'un film Marvel, donc forcément je suis obligé de regarder, la hype va être incroyable. C'est quand même le début de la phase 4, on commence avec ce film là, c'est quand même une grosse prise de risque. On va regarder ça sans perdre plus de temps, on est parti. Alors le trailer dure 2 minutes 32, j'espère que ce sera 2 minutes 32 de bonheur. J'ai changé un petit peu la disposition de la caméra. Enfin bref, trêve de blabla, regardons ce petit trailer. I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. His call sign's Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated, fully conscious, but no choices. I should have come back for you. How many others are there? Enough. We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. We're a family. We fight with you. You won't win. I've always found it best not to look into the past. Okay, you got a plan, or shall I just stay duck and cover? My plan was to drive us away. Well, your plan sucks. At some point, we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. I made my choice. I'm done running. Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get a back hunch. Listen to your mother. Oh my God, this... All right, enough. All of you. I didn't say anything. That's not fair. Bah toujours de l'humour un peu, hein. C'est ce qu'on attendait forcément. Premier débrief, je dirais que le film va répondre à beaucoup de questions que l'on se pose sur la vie avant de Black Widow, avant qu'elle soit aux Avengers, comme elle le dit. Avant d'être un Avengers, elle est un peu agent double. Donc c'est un petit peu ce côté-là qu'on va découvrir. C'est ça qui est super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant. Genre Mission Impossible pour ne citer que lui. Ce qui m'aime aussi, c'est qu'on va découvrir les origines de là où elle a été entraînée, de là où elle est devenue Black Widow. Parce qu'elle n'est pas la seule Black Widow, il y en a plusieurs. Elles sont entraînées dans ce qu'on appelle la Chambre Rouge, qui sont là pour faire des vraies tueuses d'hommes, pour devenir plus tard des espionnes complètement dévastatrice, qui n'a pas été le cas de la famille de Black Widow, du coup, qui s'est plus mis du côté des gentils pour le coup, parce qu'elle a quand même intégré les Avengers, et sa famille, on suppose qu'elle est dans la même optique, vu qu'elles vont faire équipe ensemble. Moi, je suis très hypé par la sortie de ce film, parce qu'on va avoir beaucoup de réponses sur forcément l'histoire de Black Widow, mais c'est pas la suite d'Avengers Endgame. C'est ça qui est bien, c'est qu'on rentre dans une nouvelle phase, on rentre dans une nouvelle histoire, donc on va découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux méchants, et c'est ça qui est plutôt cool, parce que dès le début de la phase 4, vous vous doutez bien qu'on va pas avoir un autre méchant à la Thanos, c'est pas possible. Faut savoir que le prochain, normalement, ça serait Galactus. Galactus, à mon avis, sera pas teasé avant les Éternels, je pense, fin d'année. Point intéressant, par contre, c'est que normalement, on nous a dit que Robert Downey Jr., donc alias Iron Man, serait dans le film. Il fera une dernière apparition dans ce film, justement après les événements de Civil War, parce que ce film se passe après Civil War, pour vous le dire. Mais là, on le voit pas, donc je sais pas dans quel contexte il va apparaître. Est-ce qu'il va vraiment apparaître durant le film, juste après qu'elle soit partie,
des événements de l'aéroport. Où est-ce qu'il va apparaître dans la scène post-générique, je sais pas trop. Mais j'ai très hâte de savoir quand est-ce qu'on va le voir, et j'irai le voir évidemment en avant-première au cinéma. Pour cette réaction, c'est ici que ça se termine. J'espère que vous aussi que vous êtes hypé par ce film, par la nouvelle phase que nous propose Marvel, même si ça forcément un peu moins puissant que Avengers Infinity War, Avengers Endgame, qui sont des blockbusters. Là, on repart un petit peu sur les bases du MCU, genre c'est comme si on regardait Iron Man 1, c'est vraiment le début d'une nouvelle phase. En tout cas, j'espère que vous avez typé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, j'irai le voir, je me ferai un plaisir de peut-être faire des vidéos théories, des vidéos analyses, c'est sûr, quand j'aurai vu le film. En tout cas, c'est ici que moi je vous laisse, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en commentaire et à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous souhaite de bien vous porter, c'était votre Captain Marvel. Ciao.